Pour ce nouveau grand angle, Melchior, associé à Vie publique, vous propose un éclairage sur l'épidémie actuelle de Covid-19 en tant que révélatrice des inégalités économiques et sociales qui parcourent la société française. En lien avec le programme de terminale de sciences économiques et sociales, il s'agira dans un premier temps de poser la définition d'une inégalité, puis de porter la focale sur le département de la Seine-Saint-Denis. Comment l'examen des différentes inégalités économiques et sociales qui caractérisent ce territoire permet-il de comprendre la surmortalité qui a été décelée en avril dernier? La réponse à cette question nous permettra de mettre en exergue différents facteurs de hiérarchisation de l'espace social et de comprendre le caractère cumulatif des inégalités économiques et sociales. Enfin, dans l'objectif du baccalauréat, deux entraînements écrits à l'EC2 associés donc à deux documents statistiques vous seront proposés, ainsi qu'un entraînement à l'oral argumenté en prenant appui sur deux interventions courtes d'une économiste et d'un sociologue. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne écoute.